Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans l'épisode 464. Excellent. Où sont mes enfants? Je suis rentré à la maison, braves gens, rentré à la maison afin d'aller chercher un stuff un peu plus convenable pour se battre, parce que le stuff de mage avec le bonnet de la mort, c'était sympathique, mais il nous faut une vraie armure, des vraies armes, des vrais muscles. Oh là là, cette épée m'avait tellement manqué. Ah là 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 là, quelle œuvre d'art à cette épée, décidément. Je serai toujours très content de rentrer à Morscom, qui est quand même la meilleure maison téléchargée que j'ai jamais prise. Hein. Il faut l'avouer, donc très bien. Ça bosse, ça bûche, les gens sont heureux, les gens travaillent. Les gens sont durs à la tâche. Est-ce que Chaton est rentré à la maison? Il est rentré à la maison, Carjo, ça bosse. Ça bosse, te frie pas les poils, tout va bien. Et du coup, on peut revenir à l'étage, une petite seconde. Voilà, bah oui, il y a Isolda. Bah oui, Isolda. Excellent. Oh là 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 là. Oui, je l'ai en double. Je l'ai en double, mais ça c'est une copie, brave gens. C'est une copie pour l'expo. Oh, c'est moi, je me souviens quand je m'étais servi de cette épée et de celle-ci aussi. Tous les masques récupérés, là il manque encore un seul masque. C'est celui de Mirac et on va lui péter la nuque. Là, il y a tout, il y a Chrysamère, regardez-moi ces armes absolument irréprochables. Oh là 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 là, oh là là là, oh ce sabre laser, on s'en souvient. Ici, les armes secrètes, je sais pas lesquelles il me manque. Est-ce que quelqu'un peut me faire une liste de ce qui me manque? Alors attendez, on va tenter de poser un truc. On va poser ça. Auriel Bow, Aetherium Item, donc les armes d'Aetherium, Bloodskull, ça je l'ai, Shilren, je crois que je l'ai, c'est ça, c'est l'épée jaune, Dawnbreaker, je l'ai, Ebony Blade, c'est le katana, je l'ai, l'épée d'Archon, elle doit être quelque part, je pense, ou c'est celle-ci, ou c'est l'autre, Keening, je l'ai, c'est l'arme de Morrowind, ah, les armes de Mirac, d'accord, l'épée de Mirac et le bâton de Mirac, ok, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque, ainsi que les armes d'Aetherium. Mais bon, bonne chance. Et quant à là, qu'est-ce qui manque pour avoir une exposition digne de ce nom, si tu veux? La lame du sacrifice, la lame... Alors, celle-ci, je l'ai. Le cul de gel du champion, je sais pas ce que c'est. Les armes runiques, le bouclier runique, je l'ai. La masse de Molagbal, la grosse hache, je sais pas ce que c'est. Le bouclier d'Isgramor, il y est. La targe sanglante, elle y est. Volendrung, il y est. Et bah putain, pour trouver tous ces items, absolument aucune idée de où est-ce qu'on peut le trouver. C'est marrant, je l'ai en double ça. Ah bah oui, j'en ai une qui est exposée au-dessus, une qui est exposée en dessous. Bah très bien, ça veut dire qu'on pourra les mettre sans doute de manière un peu respectable. Quoi qu'il n'y a pas Dragon... Elle est où Dragon Spear? J'avais pas Dragon Spear? Il est où Dragon Spear? Dragon Spear, si, elle est là. Et là, j'ai Dragon Spear. D'ailleurs, je me servais de Dragon Spear plutôt que l'épée du Pyro-Barbare. Mais l'épée du Pyro-Barbare, l'épée Atlante de Conan, tape à 228. Donc les mecs, il va falloir. Même si cette épée est extrêmement classe. Regardez, en plus, t'as le fourreau et tout, ça rend juste tellement bien. Oh là 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 là. Quelle lame, quel plaisir, cette arme, lame de dragon. Et on va voir si on peut la poser. Alors attends, sauvegarde rapide, parce que vous savez comme moi que les vitrines sont un peu capricieuses parfois. Ça marche. Parfait. Voilà qui rend bien. Excellent. Super. Et du coup, j'en ai deux. Dont une qui sert à rien. Isolda! Oui, mon amour. Que voulez-vous? Elle était pas marchande, elle? Elle était pas marchande. Très bien. Une autre marchande. Lydia! Oui, mon amour. Que voulez-vous? Putain, merde. Au revoir. Serna? Il vous faut quelque chose? Non, elle s'en bat les couilles. Qui ne sent pas bas les couilles? Allons faire un tour dans notre sous-sol. Où est notre sous-sol? Il est là, la cave. Allons à la cave. Normalement, dans la cave, il y a les waifus. La blonde, la rousse. J'allais dire, la blonde, la rousse et la noire. C'est quand même stylé. Bulle, Belle et Rebeu. Tous trois chargés de combattre le crime et les forces du mal. Excusez-moi. Excusez-moi, ça fait juste rire. Yona. Longue vie à vous. Très bien, donc toi t'achètes rien du tout. Et il faudra que je te trouve une armure sexy, hein. Parce que t'as une piole ici, tu vis gratuitement. Mais si tu te balades pas en bikini, pourquoi, j'ai envie de dire? Honneur à vous, mon tas. Raya qui fait le taf, hein. Raya qui fait la meilleure bière de tout Cyrodiil. Et j'en avais pas une. J'avais pas Jordis ou une blonde?
Putain. Tout comme ma waifu fantôme. Bon, ma waifu fantôme, je comprends que c'est quand j'ai changé de PC. Puis que je suis revenu sur l'ancien PC, le mode était peut-être pas installé et du coup, elle est... Bah, disons qu'elle est retournée dans l'oblivion. Hein. Écoute, hein. Disons qu'elle a pchouité. Hein. Elle a fait merci. Je voulais juste savoir ce que c'était de faire l'amour à un vrai nordique avant de partir en Sauvegarde. Et elle a fait... Voilà. Laissant bien sûr hein, le pyro barbare nu sur son lit et terriblement esselé. Les vrais scénars, si tu veux. Mais on avait une waifu fantôme. Hein. Et elle est où, Aléa, putain ? Aléa, la chasseuse, ça fait des plombes que je l'ai pas vue. Elle s'est quand même pas fait capturer par les mecs des quêtes annexes de la garde de l'aube. Tu sais que de temps en temps, ils peuvent capturer ta gonzesse et le mettre dans une quête annexe. Surtout Aéla, quoi. Va capturer Aéla. Déjà, bonne chance pour lui mettre des liens. Bonne chance pour la mettre dans une cage. Bonne chance pour la tenir en laisse, si tu veux. Ah non, mais c'est... Aéla, normalement, si elle est kidnappée, elle devrait s'en sortir très bien. Autant Isolda, tu vois, je dis pas. Autant Lucia, je dis pas. Autant Sophia. Oui, Sophia, notre nouvelle fille. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de lui parler encore. Quand je suis revenu ici pour faire le ménage de mes sacs et de vider mes inventaires et de vider tout ça et de tout ranger dans la maison histoire de me préparer au combat épique qui va avoir lieu, je me souviens que j'ai juste eu le temps d'avoir Sophia qui est venue et qui était là. Vous m'avez donné une maison, merci. C'est rien, tu trouveras ta place. Lucia, Sophia, dorénavant vous serez sœurs jumelles. C'est vrai, on a la même tête, mais pas la même coiffure. Vous avez les mêmes voix, fermez-la. Et moi, papa? Toi, fils. Le gars qui s'adresse direct à la choupette. Tu seras l'héritière. Hé, hey, papa. Tu seras peut-être dans The Elder Scrolls 6. Et toi, Maraka? Écoute. Tu as besoin de quelque chose, papa? Écoute. Écoute, Maraka, fais des études. Mange ton pain. Tu as besoin de quelque chose, papa? Où est Sophia? Ah oui, Sophia! Sophia, elle se mit bien. Ah putain, vous avez un jacuzzi! Oui. Elle se met trop bien. Sophie qu'elle s'appelle, bah ce sera Sophia, ça lui apprendra. Sinon. Voilà, j'ai quelque chose wow. pour toi, Sophie. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Oh, arrête de me taquiner! Mais je crois que je lui ai déjà donné, j'avais une poupée en fait pour elle et il me semble que je lui ai déjà donné, hein, sauf si je dis de la merde. Bon écoute, c'est sans importance. Très bien. Allons-y. Et où est Eric? Enfin, où sont Eric? Où est Calder? Eric et Calder, où sont-ils? Et où est Valdimar? Attis, je veux bien qu'il ait disparu parce que... Mais... Au secours. Au secours. Attis, je veux bien qu'il ait disparu parce qu'il faisait partie d'un mode que j'avais enlevé par la suite, qui était un mode qui rendait la maison du lac ultra belle. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a longtemps. C'était la fameuse maison du lac qui était quelque part par ici. On ne sait pas. Quelque part. J'ai oublié où Lama, le manoir du lac, voilà, c'est là. Et Attis faisait partie de la maison du manoir du lac. Donc depuis que j'ai désinstallé la donne, il a dû disparaître en faisant lui aussi. Donc c'est pas très grave. Mais du coup nous avons une quête. Le guerrier d'Ébonite. Retrouver le guerrier d'Ébonite sur les lieux de son dernier tour de garde. Qui est... Là, dans un petit campement. Le bosquet du géant, non. La grotte de Rochebune, non, on l'a fait. Le site de fouille de Runewald. Et là, il y a encore quelque chose. Et je sais pas comment on va monter là-haut, mais on va y aller. Très bien. C'est parti, les enfants. Depuis le temps que vous me rebattez les oreilles avec le guerrier d'Ébonique. Bam, tu vois, c'est un mec, il est super fort. Je suis sûr, c'est un sac à merde. En fait, il y a deux possibilités. Soit je l'affronte à la loyale, tout à la parade, à l'attaque, à la prévision, à la contre-attaque, à l'endurance et aux couilles. Soit j'utilise tout ce qui est en mon pouvoir en tant qu'enfant de dragon, archer, voleur, maître de la guilde des assassins, maître de la guilde des voleurs et archimage, hein, pour le molester en fait. Ou alors soit comme je fais comme dans Fire Emblem Treehouse, c'est-à-dire j'utilise une tactique et j'envoie 150 personnes l'affronter. Même principe que pour le géant de glace, si tu veux. Mais le géant de glace, c'était clutch, c'est parce que c'était un kaiju. Ça rendait bien. Donc là, il n'y a personne, hein. On est sûr que tout le monde est mort.
sauf mon cheval. Très bien, excellent. Ok, très bien. Et on va pouvoir suivre la route. Petite sauvegarde, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une sauvegarde automatique qui fait crasher le jeu. Vous les connaissez, hein, vous les aimez. Elles sont d'un classicisme absolu. On entend la nature. Un petit filon de fer. La neige, les ténèbres, la lumière de ma torche. Oh putain. Éteins la torche, éteins la torche. Oh le beau. Oh le beau. Non, pas avec une poutre. Zoom pour voir. T'es sûr que c'est un loup ça? C'est pas un loup ça? C'est pas un loup! C'est un husky! Oh qu'il est beau! Tu viens? Je te parle! Si je te parle, ça veut dire tu viens. Peut-être qu'il s'en bat les couilles. Il a l'air de s'en tamponner les roulons. Ok, très bien, il s'en est tamponné les roulons. C'est un husky! Soit, très bien, excellent, fantastique! Qui va se plaindre? C'est un husky, il est libre, il est heureux. Très bien. Eh ben, dommage, mais somme toute, on peut pas vraiment lui en vouloir. Encore une veine de fer. Allez, on y croit. On y croit. Excusez-moi. Tac. Voilà. Relancez-le. Ok. J'ai l'impression d'entendre un dragon. Est-ce qu'on peut attendre le jour? Voilà, très bien. 6h du mat, 7h... Où ça? Où ça? Putain. C'est escarpé quand même, hein. C'est peintu, hein. C'est peintu. Le dernier tour de garde. Nouvelle découverte. Ah, il boit des potions, le mec, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a buté? Oh là 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 là, il a tué un draman de gel. Oh, le mec, il s'échauffe en m'attendant, hein. Regarde ça, oui. Il se polie la bite. Oh là 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 là. Je peux vous aider? Guerrier d'ébonite, il a l'air divin. Ça va être le duel de notre vie. Bon. Eh ben, les petites magies. On va se buffer. Corde ébonite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Impétus, non, ça c'est bien, mais on s'en fout. Rayonnement, ça c'est bien, mais on s'en fout. Voilà. Ça, c'est pour y voir clair, si tu veux. Talent sera télékinésie. Warp of the flesh, ways of the world, non. Équilibre, c'est bien. Dispel magique. C'est pas mal, ça. Un petit dispel magique, histoire de le faire chier. Si jamais il casse les couilles. Ok. Bon bah écoute, on peut y croire. On sauvegarde et parlons-lui, c'est parti. Je peux vous aider? Oui. Il vous faut quelque chose? Ah d'accord, donc il faut l'agresser. Ok, très bien. Ah! Tadadin! Ça y est, ça commence. Et j'ai déjà bouffé. Hein. Tac! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui tape dur, effectivement! C'était pas la bonne stratégie. J'ai l'impression qu'il boit mon âme aussi en même temps, il fait des tas de choses. Ok, très bien, allons-y. Deuxième stratégie, on va virer la torche et le poke. Bonjour! Allez, bats-toi! Tac! Oh là là, il m'assassine! Très bien! Troisième stratégie. De toute façon, ça a demandé plusieurs essais. Hein. Et ya. Bah alors. Bien le bonjour. Ah, je peux pas faire d'attaque chargée, c'est vrai, j'ai plus ça. Enfin, je suis mauvais à l'épée à double. Ok. Ya. Je bouffe. Recule. Prends ça. Enfant de dragon enculé. Chat.
Oh, le nul! J'arrive, je viens te chercher! Putain. Excusez-moi, attendez. J'arrive, hein. Une seconde. J'arrive. Oui. Là. Oui, non, là. Ah ah! Tu veux jouer à ça? Prends ça, fumier! Chuu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 
Hop là. Maxima! Je claque tout ce que j'ai! Respecte-moi! Finissons-en! C'est à moi! Ah! Il est à poil! Tu viens de battre? Ça y est, enfin il vient se battre! Enfin il vient! Et il se soigne encore, hein. Il a combien de points de vie, l'enculé, hein. Combien de marins, combien de capitaines. Où est mon mur de feu? Mon fameux mur de feu qui m'a rendu célèbre et que j'aime. Il est là. Vous n'avez aucune chance. Vous ne pouvez pas faire mieux. Oh là là, d'où tu sors ça? Très bien. Ça, c'est juste pour te donner de matière à réfléchir. Allez, interdit ça! Non! C'est ça, vient de battre! Putain, qu'est-ce qu'il met comme mistre? Qu'est-ce qu'il met comme mistre? Il déconne tellement zéro! Putain, par contre, il m'entraîne. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Ah, d'accord. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça pique? Qu'est-ce que ça pique? Non 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 non. Tiens, lâche ça. Vous allez payer. Ah ah! Je me demande combien t'en as des épées comme ça, hein, salaud? Hein? Hein, combien que t'en as? Ensuite, c'est pas fini, j'en ai d'autres, des sortilèges comme ça. C'est quoi? C'est dans altération. C'est dans altération, c'est dans altération. Ou non, attends, c'est magie comme ça, électrocution. Ah ah! Aïe aïe aïe, ça a pas l'air de l'affecter plus que ça, hein. Voir, il a l'air de s'en battre les roustons. Voyons ce que vous savez faire. Putain. Zone. Non. Elle me fait pas lâcher mon épée, enfoiré. Putain, mais quel enfoiré. Cri l'honneur. Venez-en. Putain. Quel enfoiré, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Montrez-moi que vous méritez votre réputation. Eh ben j'y travaille. Assez. Assez. Ah, mon épée, où est-elle? Salaud. Enfoiré, putain. Désarmement, cri de glace. Cri de glace, c'est pas mal. Il faut que je continue sur la marque mortelle, ça va marcher. Non, ah putain, quelle patate il me met. Ça est pas bien. Plus fort. Ah. Ah. J'ai tout claqué. Les pouvoirs, les cris de dragon, les strats dégueulasses, la magie. Heureusement que j'avais des potions, hein. Heureusement que Skyrim est un jeu simple, hein. D'où Jésus. D'où Jésus. Qu'est-ce qu'il a sur lui, l'enculé? Collier de foudre neutralisé, augmente la résistance à la foudre de 50%, tout s'explique. Anneau de maniement absolu, les attaques à une main affichent 40% de dégâts supplémentaires, d'accord. La santé, la résistance à la glace, la résistance au feu... Permet de nager sous l'eau, mais d'où Jésus? D'où Jésus? Les attaques 5. Oh là 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 là! Ah, il est divin! J'avoue. J'ai tout. Wouah! Et le guerrier d'ébonite, c'était un guerrier d'ébène! Eh ben, on est cohérent.
On est dans la cohérence, chers amis. Voilà. Blackhead.com présente... Ah non, c'est un nordique. C'est un nordique ou un rouge-garde? Attends, j'arrive pas à voir. Putain. Fouche! Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas, mais honnêtement, ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. J'ai plus les derniers rites, par contre. J'ai plus la strides, hein. Non, j'ai pas ça. Hein. À moins que je l'ai mise en rapide, mais c'est dans L. Lance gelée. Bon. Mais résister à l'effet revenant. Ah, je peux pas le... Bon, écoute, on va faire ça à l'ancienne, on va faire ça The Pyro Barbar Way, écoute. Hein. Excellent combat, très bon duel, plein d'intensité, tu m'as fait rêver. Allez! Voilà, ça lui apprendra, tiens. Tiens, t'en veux aussi un peu? Voilà, un peu lui aussi. Cigare. Un peu lui aussi. Haute elfe. Un peu elle aussi. Voilà, tout le monde mérite. Tout le monde mérite. tout le monde mérite. Oh là 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 là, ce duel. Et eh ben putain. Il y avait mille et une manières de le chiser si vous voulez. Hein, parce que ces attaques à l'arc, elles valent pas grand chose. Elles font mal, bien sûr, mais il y a beaucoup moyen de les esquiver. Il y avait moyen de lui faire un duel de magie et de bourrer et de le one-shot, si tu veux. Il y avait moyen de faire des milliards de choses. Il y a moyen de venir avec genre 5 assistants et invoquer un atronarque et lui taper sur la gueule. Il y a moyen de taper avec, sur sa tronche avec un dragon aussi, ça l'aurait fait. Mais honnêtement, honnêtement, l'achever avec un powerbomb. C'est pas vraiment une powerbomb, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est stylé. Qui me parle? Dagon. Eh ben, il brûle, Dagon, ça se passe bien. Voilà, voilà, il brûle. Il faut être confiant, monsieur. Qu'est-ce qu'il est moche! Tout Jésus, hein! Il y a des choses qui devraient rester sur Morrowind. Hein. Il y a des choses qui auraient jamais dû quitter Vardenfell. Hein. Par contre, où est mon arme? Excusez-moi, il me l'a fait tomber pendant le combat, cet enfoiré. Voilà. Merci. Voilà, excusez-moi. Voilà. Très bien. Fou! Eh ben putain! Grosse aventure, grosse quête, hein. D'où Jésus, c'était la guerre. Hein. Alors maintenant qu'on a fait ça, braves gens, il y a des tas d'endroits que vous m'avez dit d'aller visiter qui ont l'air d'être excellents, et j'ai trouvé une astuce. Quelqu'un a eu la gentillesse dans les commentaires de m'envoyer un code qui s'appelle... alors attendez, laissez-moi sauvegarder d'abord. Donc c'est que pour PC, mais TMM 1,0,0. Voilà, et apparemment, ça révèle... tous les marqueurs de la map que je n'ai pas visité. Ah, ouh, regardez-moi tout ça. Regardez tout ce contenu. Tout ce contenu en point d'interrogation The Witcher 3. Si c'est pas régalien. Si c'est pas absolument régalien. Regardez tout ça. Oh là là, secret de longe mur, ben je l'ai fait. Rive pure, on sait pas ce que c'est. Tour de givre peint. L'antre de dure chute. Oh là 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 là. Camp de Neigemont. Oh, pierre de Waynon. C'est peut-être un camp impérial. Fossé de pèlerins. Le trou. Ok, très bien. Gorevailleur. Répit des réfugiés. Poste du traite. Les fermes de baie de givre. J'y suis jamais allé. Kagrenzel. Tantfaldar. Accompli. D'accord, très bien. Accompli. J'ai jamais révélé, mais accompli. Ruine de Ktund. Pointe d'Arquevent. Oh là 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 là. Et les gens qui m'ont dit aussi à Arquebrume, il se passe des choses. Donc Arquebrume, c'est où ça? C'est là. Arquebrume. Bah ben, vous savez quoi? On n'est pas si loin. Hein. On n'est pas si loin. Hein. On n'est pas si loin, on n'est pas si loin, on est confort. Hein.
Ou en fait, tu sais quoi, Aeonbar. Aeonbar, t'es fantastique, mais retourne chez Irsine. Voilà, ça c'est un bon Aeonbar. Il faut que je bosse ma conjuration de toute façon. Conjuration d'Arvac, il est où? Invocation d'Arvac. Shazam! Et voilà, ça c'est un bon cheval. Oh ben oui, oh ben oui, il apprécie l'air libre. Oh ben oui, ça c'est un bon cheval ça. Allez, ya! Très bien, c'est un piège. Oh! Oh qu'il est beau! Ah! Blip! Non! Pardon, excusez-moi! Bon! Note à soi-même! Allez, ya, yeah oh, ça touche. Catacombe, catacombe, catacombe. Ça touche. Blip, blip. Debout, 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 debout. Bliette. Oh merde. Tout ça, tout le guerrier des bonites pour mourir comme un caca. Même le jeu a craché. Il s'en bat les couilles.